start to climb the steep mountain. Almost there is no real trail. After that, we reach the top of the mountain. We cross 900 meters on the dirt road. Then we start to go down. Also, there is no trail in this part until we reach the forest over Nihal. Je suis avec Norbert et Wim. Norbert, hello. How do you feel today? I feel good. I'm getting all the old bugs out of my legs and my knees and my feet right now. It's, you know, the initial aches and pains. Are you ready to climb 1,800 meters? Am I ready? Mentally and physically, the body will follow whether it likes it or not. If the mind is there, the body has no choice. Okay. Ça, c'était la pensée philosophique de Norbert. Martin, comment tu te sens aujourd'hui? Bonjour, c'est magnifique, formidable, c'est bon. Voilà la Suisse qui parle. Voilà des... Zahirour. Sur la route. Ça vient de cet arbre-là. En pleine nature. Ça ressemble à, tu sais pas, des petits pleins de vitamine C. C'est ça pour la marche. Voilà ce que la nature a à nous offrir. Vos petites vitamines C. Voilà. On est prêt. Vi tar lämmont och häk, men... Voilà, je suis avec Salam, qui est une des organisatrices de l'association LMT. Salam, parle-nous un peu de LMT. Écoute, pour moi, le LMT, c'est vraiment l'un des plus beaux projets pour le Liban parce qu'il lie tous les villages, 75 villes et villages du Mont Liban, de l'extrême nord à l'extrême sud. Et c'est vraiment une découverte du Liban. Et c'est de cette façon qu'en rentrant d'Afrique, en 2009, j'ai découvert le Liban. Et je me suis attachée à cette culture et j'ai retrouvé mes racines. C'est grâce à ce projet-là. Donc, pour moi, c'est vraiment la découverte de notre culture, de notre héritage culturel, archéologique, de notre patrimoine, de nos hommes dans les villages, à travers ce sentier, donc cette belle balade à travers le Liban, ces montagnes. Donc, ce sentier qui traverse tout le Liban de nord au sud, en passant par tous les villages. Voilà, sur 470 kilomètres. Et la découverte de la biodiversité, de la faune, de la flore, chaque versant de montagne est différent. Pour moi, c'est vraiment, pour nous Libanais qui avons pour la plupart vécu longtemps à l'étranger, c'est vraiment la plus belle manière de retrouver ses racines et de s'ancrer dans ce pays qu'on aime et que nos ancêtres ont aimé et nous ont légué quelque chose de très beau. يعطيك العافية الله يعطيك الهلا هلا الله معك
instead of following kind of the mountain line, the ridge line, which is where the LMT goes, we are kind of dropping off, going west and going out and exploring areas which are equally as beautiful and should be equally preserved, but they are not the LMT, they're kind of what they call the side trails to the LMT. Towards Master Shoe, this is Master Shoe, and then we head up, zigzag our way up towards the big antenna there. Maybe a couple hundred or 300 meters just below it, we turn left towards the main entrance of Master Shoe. Et voilà, nous sommes au cœur de la plus belle forêt de cèdres du Liban, les cèdres du Barouk. Et on peut voir tout en bas le village de Maas El Chouf où nous avons démarré il y a 2-3 heures. Altitude 1800 mètres. Something funny, I like it. Voilà le village de Mtaine, maison d'hôte dans un château qui date du Moyen Âge, avec sa porte majestueuse. Hop. Then we take a dirt road. We cannot continue straight on the mountain because...
What's the name of the song? Fête, Bélique, Fête, Jenny, Fête. Ha! 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 You like it? Yes, of course. It's not like the Alps. Hello. Hello. Please connect to the Sami. Sami.